tu es le garçon qui a des parrains magiques. Tu pars. Je ne peux pas croire que ton père m'empêche de voir Pêche Melba. Regarde-la, elle est mignonne, elle est gracieuse. En tout cas, elle est mignonne. Sparky, c'est dommage pour toi que mon père soit si excessif et déraisonnable. Numéro 122 et 48 sur la liste de ta mère. Mais tu es un chien magique. Tu peux te pouffer près de Pêche Melba quand tu veux. Tu as raison, et ton père ne le sera pas. Grillé, rien ne m'échappe, Roméo. Bonjour, Madame Léa Gervais. Oh. Pauvre Sparky, regardez, il a le cœur brisé. Oui, on voit bien les petits cœurs brisés qui voltigent au-dessus de sa tête. Ça ressemble un petit peu à des fesses. Les miennes, elles sont fêlées en deux. C'est vrai, j'en ai une à droite et une à gauche. Cosmo, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Oh, pas mal de choses. Vanda a fait une liste. Aïe! Alors, en numéro 26, déroulage de liste incontrôlé. Coucou, Sparky! Ça me rend mal à l'aise de t'empêcher de voir la Dinkle bébête d'à côté. Alors tu vas laisser Sparky aller voir Pêche Melba? Et puis peut-être que tu vas t'habiller? Juste ciel, non! Ce serait une preuve de maturité et d'après le numéro 71 de la liste, je n'en ai aucune. Alors voilà, j'ai décidé de fiancer Sparky à une autre femelle pour qu'il puisse oublier Pêche Melba. Regarde cette beauté, Sparky. Elle aboie, mais elle ne perd pas ses poils. C'est pas un chien, c'est un phoque. C'est pas joli joli de mentir. Sors d'ici. J'appelle maintenant la candidate numéro 2. Je l'ai trouvée dans le jardin de Monsieur Croque-en-Jambe. Papa, c'est Madame Croquer. Ah bon? Alors elle a dit la vérité? Sortez d'ici. Vous pourriez me ramener à la maison. Sortez de chez moi. Non. La candidate numéro 3 peut entrer. Je suis certain que celle-ci va vous plaire. N'aie pas peur, Vaudou. Ah! Mais enfin, papa, c'est un loup! C'est pour ça qu'il a grogné quand je lui ai mis du rouge à lèvres. Ah! Mais c'était juste pour te faire une beauté, Vaudou! Ah, aïe, aïe!